Alors pour ces games de presque top 10, il nous faut une musique. Il nous faut une musique incroyable. Quasiment top 10 du ladder. On vise le top 1. On est chaud là. On est chaud de la bite là. Un démoniste allemand en plus. Allemand. Oh, le vrai, il garde tellement le DK là. No way que ce soit un zoo. Je refuse d'y croire quoi. Bon, on l'a récupéré de toute façon donc. Goudon tag. Ça va être le démo Mechactoon. Fallait pas de malheur, on se ferait casser la gueule par des démo Mechactoon. Ok, on peut peut-être le tuer avant, cela dit. Bon, alors ce qui est important pour gérer les géants, c'est la colite du crépuscule. Hein. C'est primordial. En early. Allez, mon tank. Mais c'est du très très haut niveau de jeu là. Qu'on vous offre sur l'Arma TVHS. C'est du démo contrôle. C'est pas mal du coup hein. C'est pas mal ça, c'est du démo contrôle. Eh, ça se gagne hein. Faut récupérer des attaques mentales sur vision de l'ombre en vrai. Évidemment. Bon, ça veut dire qu'on a les mots de pouvoir à bouclier hein. Ah, ça fait chier ça là-dessus. Ça le fait hein, il est 4-5. Allez mon tank. Alors il y a deux, il y a vraiment une stratégie qui est trop forte aussi, c'est de faire acolyte du crépuscule plus cabale sur ces fucking 3-9. Ça c'est super important aussi ça. Je me dis pas que c'est du cacactoon, arrêtez. Non, oh putain c'est du cube en fait. Il a perdu la pièce ce bâtard. Oh, c'est abusé ça. Oh la chatte! Il a perdu le huile aussi, mais bon. Chatte. Bon, l'unique avant son cube, hein. C'est ça. Ah la chatte! Ah, je suis dégoûté, quoi. Il aurait pu discard le Gul'dan, on aurait été tellement content là! Ça veut dire qu'il avait une bonne main, cela dit. Ok, donc il a récupéré pièce et améthyste. Bon, moi on sait ce qu'il a dans la main. Enfin, on connaît deux cartes. Ok. C'est le défausse contrôle. J'ai envie de dire, moi tout ce qui m'importe c'est qu'il top deck pas son Gul'dan. Hein. Parce que j'ai envie de dire, il peut jouer n'importe quelle démo si la Gul'dan c'est la merde. Enfin, je préfère qu'il joue ça que un grand crâne du Malarite et 5, mais bon. Non, mais lui il va prendre cher sur les Mind Blast lui, non? Ok, bah l'améthyste, hein, fallait s'y attendre. Oh, j'ai un Drake primordial là! S'il est pas Cinco-Cinco. Bah non du coup non. Du coup j'ai un bon DK. Allez mon tank. Pour Mitroglou. Il a discard un scarabée à cuirassier. C'est vraiment de la merde en plus ce bâtard. Tu peux le récupérer mais... Oh si c'est pas Alex Face qui part au prochain tour là. Donc là il a récupéré pièce, scarabée et améthyste. Donc il a améthyste encore pour se soigner si je fais Alexstrasza quoi. Pas de 3-9 lui c'est sûr.
Alors, on aurait pu hésiter avec la 2-3, mais les 6 PV ils sont importants quand même. Hein. Bah, le truc c'est que si je fais l'Extraza, il va faire améthyste cache quoi. Non, mais c'est sûr à 100% qu'il joue pas de 3-9 dans son deck lui. 100%. Il peut pas jouer les, 6, les trucs avec les 3, c'est impossible. Il fait quoi là? Il y a Flamme Infernale? Hein? Ah, mais c'est du que dalle, Defile là. Ok, nickel. Ah, le problème c'est qu'il a améthyste. Mais s'il y a pas de board, c'est nickel. Franchement, tout ce qui se soigne avant Alexstrasza, c'est super. Ah. Donc là, il a une améthyste. Il a actuellement une améthyste. Non mais là, c'est bon, on fait ça. Nick. On refait Cabale. On fait Verekai. Il a une améthyste à 5. Ok. Ok. Non, par contre, s'il met un seigneur de 8, je vais l'avoir mauvaise. Hein. Bon, franchement, je connaissais pas la decklist, mais... Comme quoi c'est toujours bien de connaître les decklists hein, parce que j'aurais pas dû tout jouer comme ça. Très bien. Fuck. J'aurais pas dû tout jouer comme ça si j'avais la decklist. Hein. Évidemment. Bon on va l'exface. Hein. Ah je connais pas du... Non mais son deck est trop bizarre quoi. Mais comment ça lit le chat? Mais vous croyez que je vous fais confiance? Mais j'ai aucune confiance en vous. J'ai strictement... J'ai autant confiance en vous qu'en des éventuels hémorroïdes que je pourrais avoir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas d'hémorroïdes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai pas d'hémorroïdes, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est fake news. C'est fake news. Par contre, attendez, il prend cher quand même là, non? Mais attendez, attendez. Il y a un mec qui m'a dit, mais tant qu'il y a les 3-9 et tout. Je veux qu'il les a au pif. T'sais. Alors, le style. Excusez-moi, je suis tilté, hein, désolé. Je le pensais pas. Enfin, si, mais bon. Alors, attendez, 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 attendez. Parce que là, la 8-8 elle part face là. On fait tac, 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 et PEF! Et PEUF! Attends, on va la gagner! On va la gagner! Ou pas. Ou pas. Non mais s'il se soigne pas, c'est GG Noro là, non? Et PEUF! S'il se soigne pas, c'est GG Noro là, non? En vrai. Diwallah, il a pas de heal. Vous savez que s'il fait... Non mais je crois que c'est GG Noro là, je crois. Oh, imaginez, non il y a pas... Non. Pourquoi ça lag par contre à l'eau? Pourquoi mon PC commence à laguer? Elle lag pas bâtard. C'est Hearthstone, hein. On joue à Hearthstone, tu vois. T'es pas censé laguer sur Hearthstone, oublie pas. Oh j'ai plus de dragon dans la main, mais quelle vie. Oh mais quelle vie Naris quoi. Oh, j'ai plus de dragon pour pouvoir mettre ma... Oh là là. Oh, mais quel enfer quoi. Oh l'état des nouveaux setups par le joueur français. Ou est-ce qu'on trade en sachant que ça peut donner envie de faire un Gul'dan Sal si on trade quoi. Je pense qu'on trade pas. Hein. Si on trade pas... De toute façon tout ce qui consiste à copier les 3-9... Non mais tout ce qui consiste à pas donner de points de vie est une victoire. Non jamais, jamais. Non on trade pas. Si on trade ça donne la meilleure, encore meilleure... Donc là actuellement si vous venez d'arriver sur ce stream hein, sachez que l'envie de se suicider est très grande. Elle est très grande, elle existe hein. Elle existe, elle est grande. Elle est présente, elle est belle aussi, cette envie de se suicider. Elle fait plaisir. Alors attendez, donc on peut taper là le lent. Tant pis on va dusk. Bon toujours pas, ils sont sur Gul'dan, on est baisé, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que sur Gul'dan on est baisé? En sachant qu'il y a une carte dans sa main, c'est la carte de la statue d'obsidienne. Donc ça veut dire qu'il a une seule carte dans la main qui est potentiellement Gul'dan. Évidemment. Donc on peut taper là-dedans Dusk, en sachant qu'on fout des boulettes. Parce que là j'ai 16 de dégâts, donc il faut juste mettre deux boulettes face, vraisemblablement, n'est-ce pas? Donc on fait... Tac. Je propose un play très simple, qui va considérer à se suicider si on pioche, si pioche Gul'dan, ok? Ça va être extrêmement simple, hein. Ça va être extrêmement simple, voilà. Voilà, là c'est... Le tour est facile, voilà, tac, setup létal, et donc... Là on a setup létal into pendaison sur Gul'dan, ok? Parfait. Alors en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai. Voilà. J'ai mon écharpe, voilà, pour me pendre. Alors, je sais pas faire le nœud par contre. Comment faire un nœud coulant? C'est un nœud coulant pour ce.
Allez, on tank. On est chaud. Oh, le miroir de Priest. Vas-y, on garde la féticheuse du coup, là, c'est parti. La légende René, exactement. La légende René Coty. En file des Mind Blast, soit on est sûr d'avoir Mind Blast avec ça, hein. Donc bon, on est sûr d'avoir soit Vision, soit Mind Blast. Allez, yeah. Je crois qu'on a la féticheuse d'arbre feu va donner Mind Blast en plus là, il va pas être bien en face, hein. Oh, la dé du tryhard là qui commence par un top 1 du ladder là. Devant plus de 1 million de viewers simultanément sur Twitch. Attaque mentale. Oh, c'est bien ça. Ouais, ça va. On agresse, hein. Même si c'est des points de dégâts qu'on peut péter avec Alexstrasza, hein. Voilà, si, on sait pas ce qu'il joue, de toute façon, on sait pas encore ce qu'il joue, hein. C'est peut-être du Crown Prince. Crown Prince. Crown Prince. Et bien alors que. Bon, il joue Clone Pritz. Clone Pritz. Oh, le Mind Blast. Ah. Allô. Bon ça. Donc le problème du Clone Pritz. Non, l'avantage c'est qu'on a déjà Acolyte plus Cabal. Le problème c'est que potentiellement il peut. Oh, il a rien fait. Oh, oh non, putain, mais donne-moi pas ça, je veux pas piocher ça, ça race maudite quoi. Donne-moi Mind Blast. Mais ta mère, putain. Pardon, allô. Oui, y'a quelqu'un. Donc là on agresse, tel l'animal. Ouf. Tel l'animal total ou pas. L'animal total, c'est parti. Ok, bim. Oh là là, ça c'est bon ça. Oh là là. Enfin, gaffe parce qu'il joue maintenant aussi les DKE, attention. Hein. Non, pas. J'ai dit le Crown Prince. Le Crown Prince, c'était le prince héritier de l'Empire allemand. Enfin, c'est le titre. Voilà, c'est le dauphin, quoi. Bref, on s'en branle. On est faux cul là, on est faux cul. Putain, j'ai envie de pièce le DK comme un animal politique, mais. Non, on va pas pièce le DK sur le tour, il va jouer Roi Lich, non, mais ça sort de question qu'on fasse ça. On va récupérer Vision de l'ombre, Mind Blast, voilà. Il y a quasiment que ça dans mon deck. On drop la médic en tempo, histoire de dire qu'on a fait quelque chose et de vider notre main surtout. Into le DK sur le Roi Lich qui va poser maintenant. Et s'il pose autre chose. Oh oui, ça c'est bon, ça. Oh là là. Non, mais là, dans tous les cas de figure, on lui nique sa mère. Dans tous les cas de figure, on lui nique sa mère. Plus ou moins. Plus ou moins quoi. Mais là, c'est bien. T'as vu ça que je peux voler Maligos là.
Mais pourquoi il me laisse pas lui faire le cul, putain? Non mais merde! Non mais quand même! Je demande pas grand chose! On va le voir cryptique là-dessus, non mais me dites pas ça. Non mais pas moyen qu'on fasse 3 petits coups de là-dedans, de fusée là-dedans. Ah si, ça le fait, non? 3 fois. 1. Il faut qu'on joue, parce qu'à un moment donné, il pourra plus raise. Et si quand il raisera les 4, on pourra faire le creep psychique. J'ai cru que j'allais mourir, déjà, je suis plutôt content d'être en vie. Ah mais quel game de merde. Il nous reste un... Non, il y a pas de musique là, on est concentré. Il y a plus de musique là. La musique c'est quand c'est festif là. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air festif là? Enfin, sans compter le fait que j'ai mon écharpe sur le... sur la tête. Tel... Rambo. Voilà. Donc là, idéalement on meurt pas. Idéalement, hein, je suis pas difficile après. Mais... Non. Me dis pas qu'on meurt. Mais non, mais me dites pas ça, pitié. Pitié. Non, mais il est one-off. Il est one-off. Il est one-off. Tout va bien, il est one-off. Il porte bien son pseudo, hein. Ah, la déception est grande, là. La déception est immense, hein. Vas-y, on va finir en 10. On en refait une pour passer en 10. Vas-y. Non, mais la déception est immense. Hein. Voilà. L'espoir était immense. L'espoir était immense. Mais malheureusement. Voilà. L'espoir fut brisé. Hein? Ouais. Oh, c'est le même! Oh, il va encore me casser les couilles. Oh là là, et comme. Oh non, putain, mais non, il va pas refaire la même sortie, c'est pas... je refuse d'y croire là. Non. Et comme disait Victor Hugo, hein, pour citer le poète, il fut fort dépourvu lorsque la bite fut venue. Pire carte quoi. Vas-y, on fait ça pour lui voler son son Vélène ou quoi. Vas-y go. Le reste nul de toute façon. Ah c'est Voltaire. Ah pardon. C'est Voltaire. Et oui, Voltaire. Dans Candide évidemment. C'est de la fontaine, Torque. Ah bah mince, putain. Non mais je sais. Merci. Il est drôle. Allez, nique les dragons! Full face. Il va faire Easter Egg l'active ici. Ah, si ça pouvait être un élémentaire radio, ouais, c'est bien ça. Attends, mais là, il est pas bien là, si? J'ai combien de dégâts moi? 4, 8. Comment c'est possible? Et merci Paul Mapmaking pour le sub. Oh, je me mal. Bon, je pense qu'on a le full face de toute façon, hein. On réfléchit après. La musique est bleue. T'as tellement envie de poser le rôtisseur là. Mais s'il pose Vélène, ça fait tellement chier de le poser. Non mais attends, tous les cas s'il fait Vélène.
S'il fait Velen, quoi qu'il arrive, je fais cryptichic de toute façon. Non mais y'a aucun monde où je pose pas mon rôtisseur de foule là. Le tempo rôtisseur là qui arrive là. Oh le tempo rôtisseur là. Mais y'a... Oh, de toute façon s'il pose Velen, il est so dead. So dead. Il va faire la... Ok, mort. Je vais mourir, ma vie c'est de la merde, 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 ma vie c'est de la merde. Le décal, le décal, le décal, le décal, le décal, oui, 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 ma vie c'est de la merde. Oh, alors ça, si c'est pas un top deck, alors ça, si c'est pas le meilleur top deck depuis depuis qu'on a voulu donner un petit boulot à Judas, petit sac de pièces là. C'est pas le meilleur top deck ça. Depuis 2000 ans. Qui fait piocher, qui tue la 2-3, alors là, on l'a pas à se plaindre de ce top deck hein. Non mais il est mort ce coup-ci, 100% il est mort. Non, parce qu'il va se prendre l'extra zen to Maligos, voire même peut-être le tempo Maligo, le famoso tempo Maligo. Attends, par contre j'ai quand même une sale envie de piocher Ah d'accord, ouais. J'allais dire Main Blast mais forcément Cabal serait bien là quand même hein. J'en ai deux quand même en plus hein. Ah. Alors là je suis quand même très embêté là parce que je suis partagé, il y a deux écoles là. Il y a l'école du DK qui est quand même bien curvé, il y a l'école du cryptichic qui fait qu'il... Non mais non, il y a... Oh, non, 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 là. Il y a pas de débat. Il y a aucun débat. Non mais le top deck était trop beau. Tu vois, ça c'est... Vous voyez, ça c'est Adam et Ève, ça. Hein. Et oui, là on a essayé de me mettre la pomme. On a essayé de me mettre le fruit défendu, là. On a voulu mettre... Et j'ai été plus fort que la mort. Tu vois, j'ai été plus fort psychologiquement. Pas de chance, hein, c'était pas la bonne. J'ai été plus fort psychologiquement. Et oui, parce que comme ça, il peut pas rester Velen. J'ai été tellement fort psychologiquement, je suis fier de moi, quoi. Je vous cache pas que... Beaucoup de fierté, là, quand même, hein. Beaucoup de fierté. Mais on s'en fout de la galerie des clones de Zerek. En fait il a déjà joué élémentaire radieux. Donc il peut pas nous one shot ce coup-ci. Il peut pas nous baiser. Oh oui c'est parfait. Oh, le plan est tellement bon. Alors par contre ce Zidiac 5-5 on peut le voler. Mais j'aurais bien aimé voler un Velen plutôt quand même. Mais bon. Ah, c'est pas le moment de top deck attaque mentale là quand même. C'est le moment hein. Oui c'est... je le reconnais à ce moment. Non c'est pas le moment. Oh, mais j'ai pas envie de voler le Velen, le Ziliax, putain. Un monde de merde quoi. Non mais je le vole hein. De toute façon il a joué les deux aisances d'ombre. De toute façon je suis obligé de toute façon. On aurait préféré, là s'il avait eu Velen, on aurait volé Velen, ça aurait été trop bien mais bon. On est obligé de le voler, je suis voilà. Là, je suis mis devant le fait accompli, j'ai envie de dire. Sinon, il va se heal trop. Oui, on est tous d'accord, on est obligé de le faire. Mais on n'a pas envie. Rappelez-vous que j'avais mis en garde. Et j'en ai marre de cette hystérie collective de merde, hein! Il veut jamais mourir lui. Allez on repasse 10 là. Avant la pub. Oh là on fait la belle. Vas-y on fait la belle, je suis super chaud pour la belle là. La belle 8. Oh la belle, attention. Oh c'est la belle. Oh c'est la belle contre Holy Smite. Holy moly. Oh là là. C'est bon qu'il l'ait pioché, ça c'est très très bon ça. Ça c'est excellent ça. On fait, on s'en branle.
Faut trop épique. Ok, c'est le moment d'agresser là. Ok, là, c'est parti, c'est le moment d'agresser là. On va enchaîner derrière sur un Draco du crépuscule. Voilà là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà qu'il y a un élémentaire radio. Donc, ça veut dire que potentiellement, s'il en vient à faire la galerie des clones de Zerek, il... parce qu'en fait, il joue une version où il y a juste Ziliax, deux élémentaires radieux. Oh, enculé. Ainsi que Velen et Maligos. Il joue que ça. Voilà, il joue que ça dans sa version. Attends, là, je vais pouvoir faire cauchemar au Vivas et soigner. C'est fort ça en vrai, quand on a qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin de Ziliax quoi, Ziliax quoi. Il y a des gens qui pensent que j'ai pris de l'ecstasy. Pas du tout, hein, non. Enfin, pas aujourd'hui. Hein. Jamais. Jamais le trafic d'armes, c'est une question d'éthique politique. Attends, mais lui, on est d'accord qu'il joue pas de DAO de toute façon. Enfin, si, je joue spirituel, mais est-ce que j'ai mieux à faire que Cauchemar Uva cela dessus là, en vrai? Pas vraiment. Hein. On le fait, Nick. Hein. J'aurais jamais mieux. C'est vite dit, mais. Vas-y, on joue pas autour de fouet, vas-y, on met la pression. Non mais là on a fait une mauvaise sortie, donc on tente des choses hein. La sortie ça va être compliqué là. Ok, bon de toute façon ça j'ai envie de dire. Ouais, bon c'était de la merde, ouais non, c'était... Non. Franchement si on devait faire un retour sur l'expérience... Enfin c'est ce qu'on appelle un mauvais play quoi, je veux dire, voilà. Si vous posiez la question... C'est vraiment un move qu'on peut qualifier de mauvais plays. Voilà. Vous savez que là, s'il pose Velen, on est so dead. Hein. On est so dead. Non, ça va, ok. Et par principe, un petit misplay de temps en temps, ça fait toujours plaisir quand même. On va en poser un, hein, allez, vas-y. Je vais pas faire un trou, je fais rien. Ça sent bon la défaite quand même, cette game. Hein. Parce que je suis sûr qu'il a récupéré la galerie des clones de Zerek sur Vision de l'ombre. Ça expliquerait ça. Après, il a pu potentiellement piocher le Maligos. Eh oui, peut-être qu'il a pioché le Maligos. Eh oui, le Maligos. Ah, si j'avoue que sur pioche Cabal, ce serait pas tant ça. Si on pioche Cabal sur le tour 9, potentiellement pour acolyte du crépuscule Cabal, le Maligos qui ne manquera pas de piocher pour m'inculer potentiellement. Voilà. Ah, c'est éventuellement un bon tour pour crypter Chic, ça quand même. Ah, il y a le burst aussi, c'est bien. Non, vas-y, Nick, on fait ça. Non, mais là, on joue la strat de l'Alexstrasza. Donc, déjà, petit 1. On pose du board parce que on aurait bien envie, s'il faisait galerie des clones Zerek, de pas faire Duskbreaker mais de trade et de faire Alexstrasza. Ça c'est le point numéro 1 ça. Point numéro 1. Point numéro 2, je sais qu'on aurait pu potentiellement se dire qu'on aurait pu aller quand même effectivement chercher le cryptichic, mais bon. Un peu de greed n'a jamais fait de mal à personne, hein, surtout dans un match-up où on a fait une sortie un peu moyenne, je trouve. Et en plus, imaginez sa stupéfaction. Ah non, il n'y a pas de stupéfaction. Je l'avais call, hein, la vision de l'ombre. Et en plus, il a les 3. C'est vrai que Cryptic c'était bien là du coup. Oh bonjour. Attends. Après une longue concertation dans mon cerveau, nous avons voté à l'unanimité. Face. Non, quand même, ça, calmez-vous. Non, parce que là en vrai. Parce que là concrètement, faut dire les choses. Mais non, j'ai pas l'étal pour faire cabale double attaque mentale. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai pas. Par contre, là pour top deck, qu'est-ce que vous racontez? On avait pas gagné sur Velen. Qu'est-ce que vous racontez? Vous en dites des conneries des fois, c'est fou. Alors attends. En fait, le Drake il est costaud. Hein. Non, ou le Drake prime. Ouais, le Drake prime. Vas-y, c'est parti. Non, mais il coûte plus cher, on aura plus de mal à le caler plus tard. Après, lui, plus on l'attend, plus il est. Ouais. Donc là, on a plusieurs options. Donc là, dès qu'il se dit qu'il va pouvoir peut-être drop Velen ou Maligo. Là, il faudrait qu'il reste un raise à 4 en fait, genre là. Voilà, oh, ça c'est parfait. Exactement ce que j'attendais. En plus, il vient de faire un crypté chic. Oh, le plan qui se déroule exactement comme prévu là. Le plan qui se déroule exactement comme je l'avais prévu. Rappelons quand même que je suis 3 off létal hein, quand même, hein, si jamais. On peut le rappeler, c'est important. Je crois que j'avais mis létal, mais pas du tout. Et là. Je ne sais quoi.
qui concède dans un drôle d'état. Ella, toi tu fais quoi? Elle a la bite. T'as déjà... Michael Kelly with his sweetheart came to County Cork, and bent upon a holiday they landed in New York. They strolled around to see the sights, alas it's sad to say, poor Kelly lost his little girl upon the Great White Way. She walked uptown from Herald Square to 42nd Street. The traffic stopped as she cried to the copper on the beat. Has anybody here seen Kelly? K-E-L-L-Y. Has anybody here seen Kelly? Have you seen him smile? Sure, his hair is red, his eyes are blue, and he's Irish through and through. Has anybody here seen Kelly? Kelly from the Emerald Isle. Bon. Voilà. Voilà comment passer top 10 du ladder. Extrêmement simple. C'est facile le top 10 ladder, c'est facile. C'est très simple, voilà. Petit tuto, c'était pour moi.